7h30 à peu près, et je suis dans un champ qui a pris l'orage de 69 mm, puis le lendemain 24,5. Alors je vous montre le champ. Voilà, il fait 10 cm de haut, il n'y a que les passés de traitement qui sont restés debout comme d'habitude, et je ne le prends pas dans le sens du semis, je le prends à 90 degrés. Tout simplement parce que ça me permet de faire des allers-retours. Sinon, j'aurais été obligé de racueillir. Alors, racueillir, ça veut dire que on prend les épis toujours par la tête. Et arrivé au bout, on ne peut pas prendre les épis sur le dos. Ça ne monte pas, on glisse dessus. Et donc, on perd du temps parce qu'on est obligé de lever la coupe, de mettre la grande vitesse, d'aller au bout de la parcelle et de recommencer. Et de faucher que dans un sens. Du coup, j'ai opté de recueillir uniquement ce qu'on appelle les forières, c'est-à-dire les bordures, parce que là, j'étais obligé. Et puis, vous voyez, j'ai déjà commencé il y a un moment. Alors, comme je me sers pas de GPS, effectivement, je vais pas droit, mais en fait, les dessins que je trace comme ça, c'est pour être le plus perpendiculaire possible à la végétation, afin de pouvoir faucher dans les deux sens. Ah ben là qui commence à pleuvoir, là ça va faciliter les choses. Alors chose très bizarre pour cette parcelle, c'est quand il n'y a plus les 69 mm, hein, l'orage où vous avez vu la vidéo où j'étais inondé chez moi, j'avais 25 cm d'eau, voire un peu plus par endroit. Le lendemain on a fait le tour des parcelles et j'en avais aucune de couchée. Alors c'était assez étonnant. Et puis le lendemain on a repris 24,5 mm en très peu de temps. Et là j'ai cette parcelle qui fait 8 hectares 64 qui s'est en partie couchée. Plus un tout petit bout d'un hectare, 1,5 hectare en face de la bouche d'eau, je vous filmerai. Qui s'est un tout petit peu couché mais pas énormément. Le reste, on va dire oui, 1,5 hectare sur 11,30 hectares de couché, donc c'est pas grand chose. Et tout le reste sur les 80 hectares, j'ai rien de couché. Par contre, là on n'est pas dans le bon sens. J'ai pas mal de collègues qui sont comme moi, mais avec des grosses grosses surfaces. Alors, je ne pense pas que ce soit un excès d'azote. Hein, parce que j'ai travaillé avec la méthode des bilans et puis un système qu'on appelle agro-rendement. Où à 5-6 unités près, je trouvais la même chose que la méthode des bilans, donc je pense qu'on n'a pas exagéré. J'ai mis un régulateur, hein. Rappelez-vous pour ceux qui disaient tu mets encore des régulateurs, si j'ai pas mis de régulateur, je pense que c'est ma ferme entière en blé qui était couchée, alors que là ils sont debout, et j'ai des collègues malheureusement qui ne font plus de régulateur ou qui ont signé des contrats pour faire de la farine, je ne sais trop quoi, ou ils mettent pas de régulateur, je peux vous dire qu'ils se mordent les doigts, parce que là... Là, je roule à 2,8 à l'heure et ça n'a rien à voir avec la machine. Au contraire, hein, la coupe fonctionne
une fois qu'on a trouvé le bon réglage. La coupe fonctionne très bien. Vous voyez, elle ramasse bien, je ne monte pas de terre. Ça se passe correctement. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on le garde, mais on ne peut pas avancer vite. Parce que là, ben, on mange la totalité de la paille, hein, puisque vous voyez, je suis à ras du sol. On le voit de l'autre côté aussi, vous voyez, mais à part qu'il y a la paille du broyeur qui est retombée dessus. Je suis vraiment à ras du sol, ce qui fait que ça fait une grosse quantité de paille à avaler par le batteur et puis les éléments de triage de la machine. Et là, par contre, bah, c'est pas très bon. Donc j'y vais tranquillement, mais sûrement. Bon, bah écoutez, ça aussi, il y en a qui vont me dire, bah, t'es pas embêté par tes passés de traitement, parce que c'est vrai que mes passés de traitement pourraient gêner, hein, secouer la machine. Oh, un éclair. Pourrait secouer la machine à chaque fois que je passe, mais comme je suis en grosse roue toute l'année, que je ne travaille pas mes sols ou très peu, on ne sent pas du tout les passés de traitement. On peut traverser le champ en travers avec les bennes, il n'y a aucun problème, on ne les repère même pas. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse pour l'instant. Bon, c'est un peu. Oui, c'est un peu noircico. Bon, c'est tout, on verra bien. Hein. On va pas refuser la pluie, hein, comme je dis toujours. Hein. Bon, 18h, ça se termine. Alors, je vais essayer de vous montrer le travail de la coupe. Voilà, elle se pose au sol, elle cherche à se mettre à niveau. Et la machine, je sais pas si vous voyez, je suis très haut. Tout simplement parce que c'est le système Montana qui fait que la machine, alors jusqu'à un certain pourcentage, je crois que c'est 10 ou 11% du point de vue longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, et dans le sens de la largeur, comme ça, je crois que c'est ça, jusqu'à 17 ou 20%, je ne sais plus, il faudrait regarder. Donc vous voyez, là on voit là, le champ tout doucement arrive à plat. Et tout doucement, la machine, ben, s'abaisse pour rester à l'horizontale. Bon, le travail dans le coucher, c'est assez fatigant quand même. C'est pas souvent qu'on en a, parfois des tout petits ronds de rien du tout. Là, un champ complet comme ça, ça fait depuis 1999 que j'ai pas eu ça. Donc vous voyez, ça remonte quand même.